Merci! Ah, bienvenue dans le chat, j'avais oublié de rouvrir le micro, c'est bien. Merci à vous de me l'avoir signalé, Cousin et Nash aussi, merci à vous deux. Oui, donc je disais, le pire c'est qu'au début je m'adressais à ma modération, je disais à FunFan, évidemment il me balance l'info comme quoi il est prêt à prendre son antenne hein, quand il sera prêt, il connaît la routine. Que je me félicitais de du boulot accompli en fait par rapport aux compilations des clips. Donc là c'était la toute première historique de l'année dernière. Oui là maintenant vous m'entendez normalement. Parce que de voir tardivement le message de Liv qui dit là je l'entends pas non plus. Je devenais fou. Bref, il y a déjà des clips de l'année dernière que j'avais déjà zappés. C'est un plaisir pour moi que de les redécouvrir, de les revoir. Et que voilà, je suis content. Je suis en train de savourer le travail passé. Là, je suis dans la phase très agréable où j'ai plus qu'à apprécier, en fait. Les bras croisés. J'étais bien content de voir cette première compile de clips historiques de l'année dernière. Qui correspondait donc à la phase alpha-bêta là, de la chaîne. Et alors que Nash rejoint la partie, c'est bien. Oui, lundi, donc lundi midi après-demain, je diffuserai la toute récente compilation de clips. Sauf qu'il va y avoir une petite nouveauté. J'ai mon logiciel de montage vidéo qui ne fonctionne plus. Olive qui tombe à pic, ouais, il y a du décalage. Non, mais c'est bon, Olive. J'ai fini par me persuader que c'était ok, que c'était moi qui avais voulu d'ouvrir le micro. Mais merci à vous. J'ai mon logiciel habituel OpenShoot de montage vidéo qui me fait un caca nerveux sur Linux. Il y a un bug. Bref, du coup, je suis allé voir ailleurs. Et je suis allé voir un shotcut. Je suis passé d'OpenShoot à Shotcut, qui est un autre logiciel de montage gratuit de vidéo. Alors, celui-là, il peut faire des transitions, mais les transitions entre les clips sont chiantes à faire, contrairement à l'autre logiciel. Du coup, maintenant, il n'y aura plus de transitions. Ce sera vraiment les clips bruts, les uns derrière les autres. Ça risque d'être un peu usant, mais bon, moi, je gagne du temps. Donc je vais pas m'en plaindre, j'ai une manière plus interactive et encore plus facile de générer une compilation. Je mets vraiment encore plus bêtement, côte à côte, à enchaîner les clips. Et du coup, ça m'arrange bien. Et vous verrez la différence, quoique malheureusement, il n'y a plus de transition entre les clips. Vous verrez ça lundi midi. Enfin, lundi lors de ma pause déjeuner. Oui! Une scène, c'est normal si je puis dire, puisque ça correspondait à la phase alpha-bêta de ma chaîne. Tout n'était pas au point, c'était en chantier encore. Là, on a vu la clip, la compilation de l'année dernière. J'étais pas au point l'année dernière, c'est pour ça que je m'étais déclaré officiellement à l'antenne de Twitch au 1er janvier. La vidéo de Sophie, Sophie Fafier. Où je parlais peut-être zozoter un peu à la bouche. Mon Dieu. Ah. Bon, va mourir l'araignée. Tac, 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 tac. Alors. Du coup, là, je vais pouvoir continuer le mur. Another brick on the wall. Voilà, dangereux. C'est bien sombre là. Voilà. C'est plus prudent par rapport à la logique de génération de monstres. Oui, les clips d'ailleurs. Pour ceux qui veulent en avance voir ce que je vais diffuser lundi midi, il y a moyen. En fait, il faut faire point d'exclamation boutique
dans le chat, point d'exclamation boutique, et quand vous aurez accès à la boutique, vous chercherez les vignettes qui correspondent au téléchargement des compiles. J'ai mis à jour ça il y a pas deux jours. Donc, si vous êtes abonné, évidemment, je vous l'offre. Par contre, si vous n'êtes pas abonné, c'est avec un petit coup de quelques points de chaîne. Histoire de comprendre que j'entabilise un peu mon boulot, mais pas en sous-sous, en termes de votre présence. Moi, ça me fait plaisir, évidemment, de vous voir sur mon antenne, enfin, dans mon chat. Je ferais peut-être un truc particulier, tiens, en plafonnier par rapport aux égouts, là. Ça me donne une idée. Bref. Voilà, point d'exclamation boutique, et puis vous n'aurez qu'à suivre les instructions à l'écran. Si vous voulez carrément télécharger et rapatrier les compiles vidéo chez vous sur votre ordi, quoi. Alors les premières, elles font 2 gigas. Les deux premières font 2 gigas. Et la toute dernière, comme j'ai changé de logiciel vidéo, il fait un autre encodage bien meilleur. Elle est sous la barre du giga, alors qu'elle dure 1 heure. Donc c'est bien. C'est un encodage mieux optimisé. Pa 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 la pa pa la pam. Ah merde, ah j'allais dire, j'avais même plus à descendre à l'échelle. Ah. On va pas remettre du charbon dans les fours. Attends, ça me gave. Alors, excuse-moi, sans offense, tu une scène, mais ce que tu viens de dire n'a pas de sens. Parce qu'en fait, dire, et pourquoi tu passes pas au MKV? Le MKV n'est pas littéralement un codec en soi. C'est pas un algorithme de compression, mais en fait, c'est voilà, j'ai un trou de mémoire dans les termes techniques. C'est un protocole d'encapsulation de codec, le MKV. Ça vient du russe matroska, qui signifie poupée russe. C'est le fait d'emboîter des trucs les uns dans les autres. MKV, pour matroska vidéo, c'est pas un codec pur. Alors, c'est présenté tel quel, mais c'est faux. En fait, c'est un protocole d'encapsulation multimédia. Tu mélanges les flux, c'est-à-dire que tu prends de l'audio, par exemple, du MP3, qui lui est un vrai codec, avec, par exemple, du H264, qui est un codec vidéo. Tu lis les deux, et tu peux effectivement, au lieu de faire un fichier AVI par défaut, pardon, je parle technique pour les néophytes comprendront, j'ai envie de dire, les initiés du moins, alors que MKV, tu peux avoir un peu tout et n'importe quoi dans le format-là. Alors, je joue sur les mots, hein, je suis très technique. Mais là, je tiens quand même à corriger le propos de Twinset, parce que c'est pour le coup, tu nous as fait du sophisme. C'est-à-dire que tu as cru dire une vérité, et malheureusement, tu étais dans l'erreur. Sans offense, mon cher Twinset. Mais. Non, le logiciel, là, pour revenir en gros à ta question, Twinset. Non, mais c'est bien. Le logiciel que j'ai trouvé, je me suis rapidement formé dessus, il est assez intuitif. Et puis voilà, quand j'ai fait l'encodage, il se trouve que les paramètres étaient optimaux. Et ça me convient très bien pour ce que je veux obtenir, donc je m'en contente, hein. Tranquille. Quoi? MKV, t'as fait Maurice Carotte Vélo. C'est fini, oui. N'importe quoi. Ça aurait pu être Maurice Catherine avec un K, Véronique, oui aussi. Comme les shampoings, Jean-Louis David. Bon, hop, le lit, c'est bien, j'ai marqué le...
le point d'apparition. Oh, cendre pour le cousin, bien joué. Ouais, je vais déposer ailleurs les briques, les éléments de construction, pardon, je m'assois différemment. Ah oui, là, je suis mieux, pardon. J'en baille, excusez-moi. Ah oui, j'avais pris pas mal de terre. Ouais, bah le bois, c'est à part. Après, le grès, je peux le ranger là. Le bois, c'est là-bas. Ah, ouais, différents bois. Hop là. Ah merde, il y a la vitre blanche. Non, je le mettrai dans le... dans le coffre avant de retourner à la mine. D'ailleurs, je vais me libérer une case avec le bois. Je vais me mettre le bois, voilà. Ce que j'ai, ça me suffit amplement pour me dépanner. Je te rejoins plus tard, j'ai un peu de boulot. Ouais, à tout à l'heure, cousin. Ah, ça veut dire que tiens, t'as pas de clientèle dans ta boutique le week-end du 15 août. Hein. Bon bah c'est bien, t'es peinard, tu peux bosser à ton rythme. Alors, Twinsen nous dit, il y a aussi, alors que j'ai oublié de ranger ce que je voulais ranger, que voilà, les vitres blanches. Twinsen nous dit, il y a aussi DaVinci Resolve. Oui, j'en ai entendu parler de DaVinci Resolve. Je sais plus qui l'utilise. Bah, je pense que c'est pas toi d'ailleurs qui m'en avait déjà fait la publicité, Twinsen, sur mon Discord. Je ne connais pas, honnêtement, le DaVinci Resolve. Peut-être qu'un jour, je m'y frotterai. J'ai regardé aussi KDE en live, mais KDE en live, il est trop complexe. On dirait que c'est l'équivalent gratuit, sans déconner, d'Adobe Premiere. Vous ouvrez l'interface, vous dites, merde, mais je suis dans un studio numérique de télévision, là, de cinéma. Il y a une ribambelle d'options techniques, un truc de fou. Et je me dis, j'aurais pas la patience de me former à KDE en live. Mais il a le mérite d'être existé, enfin, d'exister, d'être gratos, libre. Ah, c'est Christella qui l'utilise. Merci Nash. Merci de la piqûre de rappel. Voilà, qui aime bien DaVinci Resolve. Et voilà, donc celui-là, je ne connais pas. Et moi, voilà, pour vous donner mes références aussi, pour ceux que ça intéresse, je suis passé d'OpenShoot, que je boude, parce que là, la dernière version de mise à jour, elle est buggée. Je suis passé à Shotcut, qui franchement... T'adores Premiere Pro. Ouais, bah chacun son truc, Twinsen. Sauf que voilà, Premiere Pro, il faut mettre la main au portefeuille. Et il coûte une blinde, il est de chez Adobe. Après, c'est voilà, question de choix, hein, entre miser, pouvoir investir dans un logiciel commercial et le libre. Ouais, merci pour le lien, Twinsen. Ah, ah là 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 là. Moi, ce qui me faisait marrer, c'était la cacophonie. J'ai connu ça en milieu professionnel. La cacophonie entre les Windows Movie Maker, qui était le petit logiciel de création vidéo incorporé à Windows avant. Et quand vous faisiez un projet dans un Movie Maker d'un Windows précis, il n'était pas compatible avec les autres versions de Windows. Donc, bref. Voilà. Adobe Premiere. Oui, non, je fais pas la promotion des liens louches, Twinsen. C'est bien que tu l'aies annoncé avec des pincettes. Mais voilà, on s'est compris. Attends, je suis en train de tourner dans le qui... Oh là, et j'ai pas mis de signalisation. Il faudrait que je mette une signalisation, là. Ça va pas, mon histoire. Oulala. Alors attends. Tac tac tac. Je vais faire des pancartes. Ouais. D'accord. Donc. Attendez.
Rail de circulation. Voilà, au moins que l'on sache. Ah, quoi, c'est chelou. Hein? Bah oui. Oh, j'aime bien la musique. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien la musique. Ouais, bah tant pis, je mettrai rien, mais c'est pour plus tard si je veux éditer les panneaux. Ce sera très bien. Bah d'ailleurs c'est con, mais oui, à la base je mettrai l'établi. Hop là. Voilà, ça fait artistique. Sympa, allez hop. Ouais, je sais pas, je vais creuser vers là. Pardon. J'ai un rototo. Quoi? Putain, mais j'ai creusé partout en fait. Oh la vache. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas croisé une géode dans les sous-sols, les météores là, dont je peux extraire la belle pierre violacée. Ouais, les géodes, ça date. C'était des grottes naturelles. Ah oui, c'était des grottes naturelles ici. Ouais, ça se voit. Oh, la pile à Sully. Pourquoi j'ai pas récupéré ça moi? Non, après je pense que j'ai... Ah, j'ai pas... Je peux tomber dans le couloir, tiens. Oui, c'est un peu idiot mon truc. Je sais même pas où on en trouve des géodes. Bah en fait c'est en sous-sol quoi. Oups là, attention, et ça fait des dégâts. Non, c'est en sous-sol. Ah mince, je vais arrêter de foutre mon Nostromo sur la cuisse parce que ça me tient chaud. Autant que je vais remettre sur le rebord de mon fauteuil, au moins je me sentirai mieux. Je vais peut-être creuser un couloir là, après tout. On va voir où ça va mener. Mais il lit pas les plannings, mon cher fun fan. Là, il regarde peinard son caméra à café, et puis une fois qu'il a vu son épisode, il lance son signal. Mais oui, mais c'est par rapport à son caméra à café, ce que je suis en train d'expliquer est une scène. Comme la chaîne Paris Première décale ses heures de diffusion et ils s'en tiennent plus à ce qu'ils ont annoncé sur le papier dans la grille des programmes au niveau des horaires, je précise. Du coup, voilà, c'est pour ça que FunFan déclare un intervalle de temps et pas... Voilà, moi je continuerai à jouer peinard hors Twitch à Minecraft et puis on se retrouvera ce soir pour du... Quand FunFan me restituera l'antenne pour du Half-Life. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Merde, je me dis, mais pourquoi il est en lévitation lui?
Mais non, là, je creuse trop bas, là. Tant pis. Voilà, bon, bah, c'est bien, c'est la fin du... ouais, petite torche. Atomic Cat, hein, qu'on s'écoute, avec une cantatrice. Je suis vraiment surpris, cette qualité professionnelle. Je suis vraiment surpris que ce soit du libre et gratuit. Tout le monde peut télécharger l'album. Ça, c'est beau. Je vais vous avouer, et j'ai une idée qui m'avait trotté dans la tête depuis quelques jours dans la partie Minecraft qu'on est en train de faire. La plateforme sur laquelle je me trouve, là où j'ai ma baraque qu'on a vue tout à l'heure, ça va devenir une ville en soi à terme. Et je me disais, ce serait sympa de donner des noms de rues, d'avenues ou d'impasses. Mais en reprenant les, on va dire, nos célébrités, si je puis dire, Twitch. Par exemple, l'avenue Aeroster, la rue Fun Fan, c'est rigolo. Je vais m'amuser à faire ça, je pense, à terme. Quand il y aura plusieurs bâtisses et que les rues vont vraiment se distinguer. Et ça va être sympa. Allez savoir, on va peut-être rapidement se trouver une rue d'Achèvement. Ça, à mon avis, ça risque d'arriver plus vite qu'on ne le croit. Ce sera rigolo. Ah là 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 là. Parce que dans un jeu de relaxation comme Minecraft, je me vois mal mettre des vrais noms. À la française, vous savez, l'avenue Victor Hugo. Message de Cyberphone 11. Si tu crées ma rue, il me faut un Monopoly qui va avec ses non négociables XD. Eh bah, tu sais quoi? On fait une place publique, la place Fun Fan. Et en fait, si tu regardes au sol la place, on peut le faire sans déconner. Ça aurait des airs de Monopoly avec les cases. La place Monopoly Fun Fan. Chiche. Chiche, on le fait. À terme, on fait ça. Ah, oh, ce serait rigolo. Avec de la laine colorée ou de la moquette, on mettrait, vous savez, les couleurs duo ou trio des propriétés. Du rouge, du jaune, du vert. Franchement, c'est à faire. Ah, on peut le faire. Hein. C'est pas trop difficile dans Minecraft. Ah, étendage lessive. Oula, bon courage pour la lessive. Oh mon dieu, m'en parle pas, j'en aurai pas mal à faire la semaine prochaine des lessives. Oi, oi, oi. Pardon, je m'en masse le visage. C'est dire l'effet que ça me fait. Ah là là, je m'en étais déjà fait une jeudi et j'étais bien content. D'ailleurs, c'est con, mais la chemise que je porte, elle a été lessivée jeudi. Ah, je suis bien content de l'avoir pour aujourd'hui, il fait déjà chaud. L'impasse partout.
Ah, oh, tu une scène. Oh mon dieu. Ah là là. Ouais, je te... ouais, éventuellement, ouais, te mettre en lumière avec la couleur verte. Ah, oh, il y a quelque chose à faire. J'ai à réfléchir. Ou peut-être tout le moment où j'aurai, vous savez, les briques, je pense, de les éléments de construction. Il faudrait que je fasse un élevage de moutons et que je gère mieux les colorants. C'est pas évident, mais là aussi, ça peut être un objectif à atteindre. Et peut-être que je diffuserai le moment de la conception de la place. Et puis à ce moment-là, tu me diras... on fait un truc pour te distinguer sur les cases en verte, ce serait vachement marrant. Non, je pense que... Non, c'est un coup à bien se marrer. Ah là 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 là. Bon, je vais me rasseoir mieux, parce que là, je suis mal assis, et je suis en train de me faire mal aux vertèbres lombaires. Voilà. Tac, tac, voilà, que je cale bien mon bassin au fond du siège. Je suis pas là pour me bousiller le dos. On entend des zombies qui gémissent. Il doit y avoir soit une cavité naturelle ou pire, une chambre à générateur de monstres. Pas loin. Enfin, je pense plutôt pour la première théorie. Je penche plutôt pour la première. Ah non! Le petit son, vous avez entendu, le « ça veut dire qu'il y a du vent, une cavité très proche qui est profonde. Ça, c'est un indice propre à Minecraft. Et ils sont pas loin. Hein. Ils sont sur les côtés, en dessous, au-dessus. Non, ils sont pas là. Alors, je prends le risque, le truc à pas faire, creuser au-dessus. Non, ils sont pas là non plus. Il sera en dessous. Ah ouais, mais en dessous... Tenez, on va voir si c'est là. Comme j'ai une super pelle, j'ai vite fait d'exploser la terre. Voilà, la mode de terre, elle a giclé. Vitesse grand V. Faut bien écouter au son, mais j'ai l'impression que je m'éloigne. Ou c'est juste devant moi, en fait, quand je continue à faire mon tunnel. Merde, homme. Éventuellement ceux qui veulent descendre. Pouk. Voilà, je mets le truc là. Voilà. Elle évitera de générer des monstres. Bizarre. C'est peut-être juste en face. Attends, je t'ai pas lu, Nash. Punaise, je vais avoir la mienne à faire aussi. J'espère que l'acquisition d'un elfe de maison, ça coûte pas cher. C'est mieux qu'un tabouret, oui.
Aïe aïe aïe. Gips. Oh, du sacro-saint diamant. C'est plaisir ça. Le sacro-saint diamant. Oui, avec la fortune 3. Ah, oh, c'est la richesse. Oh là là, combien? Oh, 20 diamants, bien. Oui, bah je suis inventaire rempli. Et en plus, niveau d'enchantement 30, c'est tout bénef. C'est le niveau idéal pour faire les enchantements les plus puissants. Donc, je rentre au bercail. Oui, c'est par là-bas, hein, je crois. Là-bas, c'est le, ouais, c'est le mur. Il n'y avait plus rien d'intéressant. Ça pulse. C'est vraiment du son top. Message de FunFan 1992. J'ai un souci technique, j'ai pas de son sur Hubs. Ah. T'as dû fermer un canal audio dans ton gestionnaire de son. T'as dû rendre muet quelque chose ou alors ton OBS il crache pas sa sortie sur ton enceinte classique ou on peut pas dire ton casque puisque t'en mets plus. Bah je sens que ça va être Gogo Gadget au secours Twinsen en TeamViewers si Twinsen est dispo et souhaite aider FunFan parce que... Ouais, relance ton PC. Ouais, relance ton PC, on sait jamais. C'est vrai que ça peut jouer. C'est pas à négliger. Tu nous tiens au courant, ouais, FunFan. Bon courage avec ça. Ah! Me fait attaquer dans le dos. Traîtresse. Va mourir. Attention, faut que je me méfie là. Maintenant, c'est muré. Je peux me faire avoir par surprise. Ça devient dangereux la plateforme. Faut que je fasse gaffe. C'était quoi là-bas au bout? Ah, c'était ça. Mon dieu, c'est gredin. Mon ordi est éteint. Il fait trop chaud pour le bureau. Ok, une scène. Ouais, bah, il va relancer FunFan. Et puis au pire, on avisera. Parce que, sachant que je suis en direct, je serais obligé, encore que,
J'aurais peut-être gardé l'antenne si vous l'acceptez avec ma tronche en gros plan. Et j'essaye discrètement sur mon autre écran de faire du TeamViewers chez FunFan pour le guider, quoi. Éventuellement, mais voilà, il relance son PC, on va déjà voir ça. Ah, elle est pas mal cette musique, je l'aime bien. Wouah, mais il y a combien de creepers? Il y en a 4 à vue. Ça me revient hier soir, j'ai mis Windows à jour. Chaque fois que je vais mettre Windows pour ça, ça me fout des paramètres en l'air. Oui, bah voilà. Ouais, ça t'a coupé des canaux, ça t'a remis par défaut les mauvais canaux audio. J'en ai vraiment ras-le-bol de Windows 10. Je vais vraiment passer à part Windows 11, ça peut pas être pire. Si. Windows 11 peut être vraiment pire, c'est-à-dire que OBS pourrait ne plus se lancer du tout. Non, non, méfie-toi. Méfie-toi sans déconner. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais... Soupir. Soupirail. Non, c'est pas ça que je voulais faire, au secours. Je voulais compacter mes ressources précieuses. Voilà. C'est bon, ça. Bidi 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 bidi. C'est pas possible. Oh, j'ai jamais vu autant de creepers. Oh mon dieu. Ah ouais, non mais voilà. Même le cousin, faut pas dire Windows 11, c'est un gros juron. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai cru que par mégarde d'avoir mis de la... Attendez, non, je vais mettre que de l'arche, ce serait bien. Pardon. Je baille comme un sagouin. C'est bien, ça veut dire que je suis relax. Oh mon dieu, vous êtes trois. Enfin, nous sommes trois. J'ai oublié de me compter dans le lot. Non, ça n'a rien donné en lançant Windows. Il détecte aucun son, même pas la webcam. Oh putain. Oh putain. Bon, bah on va passer en mode urgence PLS FunFan. Tu vas préparer ton TeamViewers, tu vas discrètement me donner le code en MP Discord. Moi, je vais garder mon antenne, mais de manière un peu particulière, c'est-à-dire que je vais exceptionnellement m'autoriser à rester en... en webcam gros plan. Merdoum, 30 secondes... J'aimerais enchanter une... Attendez. Bah attends, oui, les diamants, hop. Là, je me fais une pioche. Juste enchanter ça, ce sera bien. Hop là. Je m'enchante ça. Alors, efficacité. On... Bon, au moins, j'aurais pas perdu l'expérience. C'est bien, j'avais oublié que j'avais laissé un lit dans la bibliothèque. On peut dormir dans la bibliothèque, tranquille. C'est tranquille, là. Hop, je vais me mettre dans ma baraque en attendant. D'aider notre pauvre FunFan au niveau de la technique. Alors, minute papillon. Attendez, excusez-moi. Alors... Je suis un peu le fessier entre deux chaises par rapport
à Twitch devrait normalement me déclarer en just chatting, mais bon, c'est un peu particulier. Alors là, normalement, voilà, j'ai vous voyez que ma tronche, ah, pardon, et je vais essayer d'aider le pauvre fun fan. Et je suis en train, je crois, de me rendre compte que j'ai pas installé TeamViewers depuis que j'ai installé mon Windows. Attendez, j'ai un doute. Je ne l'ai pas réinstallé. Merde, il faut que je me rattelle TeamViewers. Voilà. Alors, je remets le chat parce que je voudrais pas vous mettre devant. Je peux quand même vous faire la causette en attendant. Alors, tac, tac, tac. On a dit TeamViewers qui doit être plus bas. Ouais, non, là, voilà, oh là, ma référence, elle est trop ancienne. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est là. Ah, j'ai un TeamViewers, mais à chaud, non installé. En portable. Oui, non, mais c'est pas grave. Oui, ça arrive, fan-fan, hein, c'est un dépannage. Attends, je me mets à jour. Je me mets à jour vers la 15.2, parce que là, j'avais une vieille de Mathusalem. Alors je vérifie par prudence comme quoi vous me voyez bien juste au niveau de la tronche et pas mes écrans parce que là forcément vous comprendrez il y a la confidentialité. Veuillez m'en excuser qu'on aille dépanner le pauvre fun fan. Alors voilà, moi je serai théoriquement prêt. Alors discrètement que je regarde, il m'a envoyé les cocodes. D'accord, alors, tac. Et là, le mec, il balance en direct. 3, 6, 12, YTV. Tic. Alors, il va falloir... ça y est, j'ai accès à ton ordi, excuse-moi. Je coupe la musique parce qu'il faut que j'entende. Faut que j'entende fan fan. D'ailleurs, on va se mettre en com audio. Il a plus de son du tout. On va essayer. Je sais pas s'il peut répondre, mais. Je sais pas s'il a du son. J'essaie de faire une com audio avec fan fan en Discord. Mais visiblement, il est vraiment en PLS. Ouais, tu m'entends? Ok, je vois que tu lèves le pouce. Ah, il est bien le menu de cette version-là de DSX, ça a de la gueule, c'est beau. Alors, est-ce que tu m'entends? Si. Ah, bien, on s'entend. On s'entend, c'est cool. Alors ça, c'est Tu déjà un bon point. m'entends? Ouais, je t'entends. Je reprends la main, t'es prêt? Ah, attends. Ah, t'as une idée, vas-y. Ah oui, il faut que je change une option dans ce... Ah non, c'est bon. Attends, il faut que je change une option. Ah, mais dégage-toi, voilà. Voilà. Il faut que je change une option. Tac, tac, pour pouvoir t'entendre. Ah. Voilà, normal. Non, Je fais coucou sur mon propre chat, c'est ridicule. Ah bien. On s'entend, c'est cool. Alors ça, c'est déjà un bon point. Ouais, je t'entends. Tiens, vous l'avez bien gagné celui-là. Ouais, vas-y. Mon fou rire. Non, non, j'ai pas d'idée. Voilà. Alors, tac. Ah bah, attends.